Bon, hier, c'était une drôle de soirée en équipe parce que, genre, je vous ai parlé de l'histoire avec Ness. Donc, j'ai mal joué. Alors, j'ai décidé d'un des favoris, OK, que j'utilise dans les matchs en équipe. J'ai utilisé Ike. Puis, bam! Sans chuter. Puis, gagner la partie. Ouh! Hein? Que là, lorsque je joue un mauvais match, ben, je me remonte en faisant une partie sans chuter. C'est ça qui est arrivé hier. Puis ça a été tout en stable durant tout le long par la suite. Mais un peu de difficulté quand j'ai croisé Exodus. Ben, je suis désolé, si je suis parti, ben, tu sais, j'avais aucun équipier qui était fort. J'étais genre livré à moi-même contre deux joueurs extrêmement défensifs et vraiment bons. Et c'est que j'essayais de pouvoir les saisir ou quoi que ce soit d'autre, mais il n'y avait rien à faire, ils étaient trop forts pour moi. J'ai quand même pu rester stable, mais j'avais pas une équipe assez forte pour m'aider à me soutenir, parce que avec son équipier, il s'amusait tout le temps à essayer de m'éviter puis aller shooter l'autre joueur. Puis quand j'étais tout seul en train de m'occuper de ces deux joueurs-là, un joueur de Mario qui est là, sur Mute City, ok, Samuel, j'ai pitché des balles dans le coin. Mais qu'est-ce que tu fous? Viens m'aider, Krim. On est retardé de 2 points, puis toi, tu t'amuses à pitcher des balles dans ton coin. Tant que je joue avec mon Captain Falcon, alors que j'ai pas mal de difficultés à jouer contre eux autres. Ça a mal été, j'ai chuté 3 fois. On a fini à -5. On a juste pu faire 2 KO, puis contre le joueur de Roi d'Adidou, je pense, ou je sais pas trop quoi, mais. Parce que je ne sais plus qui jouait à Roi d'Adidou, mais je pense qu'il y a eu une partie sans chuter. Tandis que l'autre, je pense qu'il a chuté 2 fois. En tout cas, j'avais eu de la misère contre ces joueurs-là. Le joueur 2, il était pas assez fort, puis quand il y en avait un autre, ben c'était pas mieux, c'était pareil. Mais j'étais un petit peu plus stable, mais c'était pas suffisant pour pouvoir battre deux joueurs très bons. Genre, quand t'as un joueur très fort avec un joueur faible, puis contre deux très bons, ben, il y a peu de chances que tu puisses réussir à gagner. À moins d'un miracle qui se produirait. Et quand t'as un bon avec un faible, un bon avec un faible, ben, ça s'équilibre, puis il y a plus de chances qu'il y ait une mort subite. Puis c'est arrivé pour la première fois avec Lucie. On va sur le jeu de la chance. Ici, ben, j'étais plutôt chanceux. C'était moi qui étais supposé de mourir en premier. Parce que le joueur de Samus a réussi à me foncer dedans. Puis le joueur Pitico était pas très fort non plus. C'est moi qui a réussi quand même à collecter les points pour qu'on se rende en mort subite. Et j'ai quand même réussi à l'emporter. Ben, en fait, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Dave, il a été malchanceux. Il y a une bombe qui a tombé dessus. Puis c'est lui qui meurt avant moi. Ouf, ça, c'était de la chance. Vraiment. Bon, pour comprendre un peu ce qui s'est passé ici, allons voir ce qui s'est passé ici. Une mort subite. Comme vous voyez, on dirait un joueur qui spam, mais ça n'a pas de life. Bien ici pour le dash attack, mais quelqu'un s'est protégé. Ouais, on me débordait pas mal, oui. Ok, c'est bon. Je me suis fait frapper par elle aussi. Je me suis juste soulevé au bon moment. Ah, ça c'est chiant ça, cette attaque-là. Eh, tu te manges dans le vide.
C'est bien que tu essayes, mais Krim, t'es toujours hors cible. Oh! Voilà, on retombe égal. Là, j'étais à 60% de dégâts, mon écu aussi, mais à 79% à cause du double saut. Oh, ben, au moins 2 en plus. Ouch! Auto-destruction. Là, tu peux me dire c'est quoi ça? T'as failli te toucher toi-même, là. T'sais, on a la chance de pouvoir remporter notre match, mais... Tu fails. Regardons ce qui s'est passé pour que la mort subisse se provoque. Bien joué de la part de Dave, hein. Ça, c'était très bon. Bon, on va voir ce qui s'est passé ici. Ça, c'est le jeu de la chance. Oh. Non, raté la saisie. Non, là, il a joué un peu trop vite là-dessus. Oh oui, yes! Allez, j'ai réussi. Là, faut que je fasse attention à ces bombes. Oh! Oh! Oh, mais je survis! Aïe, aïe, aïe. Oh, bien laissé là, Seigneur, j'ai un petit passeport. Oh shit, qu'est-ce qui s'est passé là? Aïe, aïe, t'as-tu vu ça? Un dash à terre. Mais on reçoit les deux bombes en même temps, mais c'est l'autre qui meurt en premier. Oh boy, ça, c'est vraiment été. Ça, il était vraiment malchanceux. Oh, j'ai été chanceux de moi, en tout cas. Remporter ce match-là. Surtout qu'ils reviennent de l'arrière d'un auto-destruction, là, c'est déjà très bon. C'est même très bon, oui. C'est différent comparativement à un gars là, que j'ai pu croiser en ligne, ok. Genre, ok, je me suis tiré pour remporter son match. Alors qu'il jouait même pas avec moi. Ok. Puis il s'en va s'auto-détruire à la toute fin, le sacrement. En tout cas, ça a failli réussir, mais au moins, quand même, bel effort de la part de Dave pour faire le rattrapage. Félicitations. Il a juste été malchanceux sous le coup. Bon, ben, sur ça, on se rejoindra pour la suite.